Et yo les gens, c'est Dario pour une toute nouvelle vidéo. Wesh, c'est canapé. Je suis en compagnie avec Dark Wolf le muet, Quix, le québécois, et Venom. Wesh les gars, ça va? Ouais. Pas de télégas, non, je vais pas te faire pub, non. Petite pub à Garuto. Ta gueule. Bon, sérieusement, du coup, on est dans une petite vidéo que je vais présenter là. La nouvelle saison de Mama Battle Royale, et que en même temps à la fin de la vidéo je vais vous expliquer genre un truc au sujet de Mama Battle Royale. Du coup je vais commencer la vidéo et je vais en même temps lancer l'intro. Bah c'est parti. Here we go. Alors pour commencer on a les petits lucs qui n'ont pas changé, mais par contre, il y a des trucs à changer. Pour commencer, on a Poiscaille Plaza qui a changé, mais il est devenu un lieu futuriste. Désormais, bah, c'est un lieu de Poiscaille, mais en version futuriste. On a le restaurant qui a complètement changé et ne construisez pas, s'il vous plaît. Du coup, on a le restaurant qui a évolué. Et là, on a bien sûr le Poiscaille futuriste qui nous font bah, du piment. Genre, ça n'a pas changé. Alors, par contre, dans les... Frère, il doit vendre des poissons, putain. Ouais, mais il n'y a pas ça. Ouais, je veux dire, mais il va pas quand même vendre leur frère. Et du coup, par contre, j'ai oublié. Dans chaque nouvel lieu, bah, on a d'autres armes. On a chaque arme différente de chaque lieu. Par exemple, là, on a ici, on a des armes futuristes. Genre là, un peu ça par exemple. Là on a le fusil impulsion avec plusieurs raretés. Oula. Ensuite bah attendu. Voilà, il tire dessus. Et là on a bien sûr aussi des murs blindés. Les murs blindés sont ils sont seulement dans ce lieu uniquement. Ensuite on a la Diamond Bar qui a aussi changé. Que là c'est devenu l'un des meilleurs bars de la ville, je vais pas le mentir. Alors entre le restaurant et la Diamond Bar, je trouve que c'est la Diamond Bar le plus réussi. Toi Darko, tu penses quoi? Tu préfères la Diamond Bar ou pas? Ouais. Ah il mordit pas. Mais je ne... Oh, en vrai, t'as raison. C'est bon, mais chez nous, qu'est-ce que moi j'en pense de ton Diamond Bar? Ouais. C'est des bars au canard. D'accord. Et on a le Lama Land qui n'a pas changé du tout. Mais vous allez voir que. Vous allez voir, dans cette saison, le Lama Land va beaucoup changer. Mais je vais pas vous le dire quand. Ensuite, on a bien sûr Sensa Military. Ok. Suis-nous, Garuto. Ensuite, on a Sensa Military. Oui, mais Chene. Oui. Je peux dire un truc? Oui. J'en ai marre, Dark Wolf, il parle trop. Ça me batte. Mais casse le couille, Dark Wolf, tu parles trop. Le pauvre, les gars. Cotisez. Le pauvre, dans chaque vidéo à Dario, vous dites quelque chose sur lui de méchant. Attends, je vais lancer une roquette sur un arbre. Bon, bref, sérieusement, du coup, on a Sensa Military que c'est bien sûr le Mato qui a choisi le nom de parce que vous appelez Bass Militaire, mais après il a trouvé ce nom là qui est plutôt bien. Du coup, ça c'est un grand lieu qui est plutôt assez grand et qu'on peut se stuff. Du coup, on a chaque bâtiment. Alors, déjà, on a le bâtiment de la Sensa River. Je crois, j'oublie comment il s'appelait le lieu, mais enfin bref, du coup ce bâtiment il a survécu, du coup il est resté dans ce lieu. Bah en même temps, on va pas se mentir, c'était quand même un lieu de scientifique en même temps. Du coup rien n'a changé dans le lieu. Ensuite on a genre un... Ensuite on a un lieu natal, c'est le portail. Un lieu natal, ah ouais, un lieu natal, ouais. Bon bref, du coup on a bien sûr le portail qui, maintenant il y a une fontaine. Alors, je vous explique, parce qu'en fait, en gros, le portail, pour l'instant, il est un peu désactivé pour l'instant. Genre, pour l'instant, là, il n'y a aucun truc. Mais les militaires, ils ont voulu le ramener dans leur base pour essayer d'étudier le portail en même temps. Du coup, ensuite, on a genre un petit bâtiment là. Alors, c'est un petit truc de comportement comme ça, là, qui passe bien. Ensuite, on a aussi quelques garages qui sont ici, gros.
Et par, bien sûr, on a aussi des nouvelles armes. On a aussi d'autres armes dans ce lieu qu'il faut à peu près sentir. Ouais, bon, bref, ça met quand même. Est-ce que je t'ai une roquette ? Non, par contre, non. Est-ce que t'as mis ça ? Hein ? Est-ce que t'as mis qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Ouais. Ouais ! Non, je plaisante, je l'ai pas mis. Oh. Allez, répare. Alors, on a commencé. Oui, on a bien sûr ces deux armes. Du coup, alors, les armes qu'on coupe, on a bien sûr l'arme de du nuit. Celui qui connaît, c'est celui de l'arme de la Bon, chapitre, on se barre de chier ou pas ? Chapitre 1-1. Et on a bien sûr le scanner de reconnaissance. Genre, ça, c'est des nouvelles armes qu'il y a. Du coup, dans les deux qui n'ont pas changé, du coup. Dans les lieux qui ont des lieux basiques, bah on a les armes basiques, enfin des nouvelles armes en même temps. Du coup, on a des retours des armes, des armes qui ont été retirées, des armes qui sont restées, et le petit Garoto qui est mort. Le mec qui mettait tellement de vidéos. Il... Attaque. Ah bon, ouais. Du coup, ouais. Bah bon, je vais pas quand même montrer la H24. Alors, je vais juste faire des petits tours comme ça. Toi, du coup, ensuite. Du coup, attends-toi. Peut-être que je me déconcentre plus. Mais bon, ouais. Du coup, par contre, on a aussi deux nouveaux lieux avec les dômes célestes. En gros, c'est là où, en gros, on aura un petit message pendant la game. Mais bon. Je vais aussi vous le dire. Du coup, on va commencer par ce lieu préhistorique. Dès que... Ah mais oui, ok. Oh, ouais. Du coup, dès que vous rentrez dans ce lieu, bah, c'est écrit que la chasse commence. En gros, c'est Jurassic City. Bon, quand vous rentrez dans le lieu, bah. Jurassic City. Yeah. En gros, dès que vous rentrez dans ce lieu, bah, ça fait ce son-là. Et après, dès que vous ressortez du lieu, ça fait ça. En bref, et du coup, sinon c'est un lieu de dinosaures. Et du coup, on a bien sûr que des raptors, mais ne vous en faites pas, j'en ai pas quand même mis beaucoup, j'ai pas quand même abusé. Mensonge. Et du coup, les armes, ça a pas changé les armes, perso, j'ai pas changé les armes. Et du coup, on a bien sûr ce tuyau ou ce câble plutôt, on a un câble. Qui se promène bien sûr dans la map. Ta gueule. Non, ta gueule tout court. Et du coup, dépôt compagnie. Alors là, ça a changé. Là, dépôt compagnie. Dans cette saison, ça va devenir les vraiment important. Il y a toi, si tu veux voir, tu peux aller voir un dépôt compagnie. Ouais, flemme. Ah, okay. Il y a Red Vest Blue. Genre là, dépôt compagnie va devenir genre un lieu tête important dans la saison. Et du coup, je vais vous présenter l'autre lieu qui est juste à côté, et qui est bien sûr le lieu Gotham City. Vous l'avez peut-être vu d'autres. On est pas dans Gotham City. Du coup, bien sûr, c'est une vidéo. J'aimerais juste dire un truc avant que la vidéo continue. Les habitants sont obligatoires. Ok. Mais bon, bref. Les habitants sont obligatoires. Ouais, bon, bref. Du coup, on est bien sûr dans la vraie ville de Gotham. En gros, c'est un lieu de collab qui va rester seulement dans cette saison. Et du coup, qui dit Gotham, qui dit qu'il y aura peut-être forcément Batman. Du coup, je vais vous présenter chaque bâtiment. Et là, la maison de Bombi qu'on a ici. Et bien sûr, Johnny, il se fait place dans sa vie, franchement. Bien sûr, son dialogue n'a toujours pas changé. J'ai besoin de bois pour continuer sa baraque. Mais sa baraque commence à s'améliorer de plus en plus. Et bien sûr, dans son coin de pêche, bah, il y a un truc exprès pour les sangliers. Bien sûr, il n'y a pas qu'un sanglier, il y a trois sangliers qui apparaissent dans la game. En gros, c'est plutôt magnifique, hein, n'est-ce pas? Et on a bien sûr le petit véhicule là qui avait dans Abates Farm. Genre
Oui, ça, c'est un, ça c'est un petit hommage à ce lieu parce que ouais, parce que ce lieu c'était l'un des meilleurs lieux qu'il y avait parce que limite Retail Tower et Mantis Farm dans les saisons d'avant qu'ils allaient à chaque fois dans ces deux lieux et du coup ouais bah voilà bah, c'était bon. Juste bah, pour ouais, un petit ouais. rêve comme ça bah du coup ouais mec. Du coup, pour commencer, on a le magasin qui n'a pas changé, le magasin de Noms. Alors, s'il y a un truc à changer dans ce bâtiment, si vous voyez bien, il y a un truc caché. Et là, on voit un PNJ. Le PNJ, le Joker. Et qui vous propose... Bon, il vous dit un truc en gros. Attendez. Attends. Tu sais pourquoi j'aime l'essence ? C'est pas cher. Et du coup, il vous donne une pièce d'or. Et en même temps, vous voyez un panneau. C'est pas drôle. On voit un panneau. Lame à lente plus fermée égale. On sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais genre. Explosion. En gros, on sait pas pourquoi il nous a parlé d'essence. Et il a peut-être pris un coup. Du coup, il vous donne 150 pièces d'or. Mais qui sera. Mais ça, c'est une petite quête ouais, que vous pouvez ça faire. À rien. Et en gros. Oui, je sais. Mais bon, bref. Et du coup. Ça va vous emmener au GCPD qui est juste à côté du théâtre de Gotham. Oh, la mer enchaînée. Non, mais... Et du coup, ah oui, par contre, les armes ils ont aussi un peu changé les armes. Et par contre, dans ce lieu, on a des planeurs. Dans ce lieu, on n'a pas uniquement des planeurs, mais dans chaque spawner, on a un planeur. Et du coup, on a un flingue et on a la hug. Plusieurs raretés. Du coup, on a le GCPD qui est bien dans le... Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais, il y a le planeur. Alors le GCPD, ça a pas trop changé. Il y a juste là-haut. On a le bâtiment. On peut l'allumer et l'éteindre. Et là, on a le PNJ, genre... Jim Gordon. Oui, Jim c'est Gordon. Bon. Le chef du coup, de la police. Son dialogue, c'est... Il finira par venir. Oui, parce que... vous savez, à chaque fois que le Batman s'allume, bah Batman forcément il vient toujours. Et du coup, on a une cellule où il y a un prisonnier. Et en gros, on doit faire un échange. On doit donner 150 pièces d'or. En échange, il nous donne ça. Son dialogue, c'est tu veux faire affaire. Il vous donne ça. Et après, vous devez retourner là. Vous devez mettre ça dans une poubelle. Il vous donne une AK en légendaire. Et il vous donne. Des pièges et les pièges il va servir exprès dans la banque qui est ici en gros dans la map je veux dire dans le lieu Gotham on a la banque de Gotham qu'on peut la braquer genre faut d'abord faire ça et après vous mettez le piège qui est là mais après vous pouvez le garder sur vous après vous pouvez braquer ici mais par contre attention tricheur et par contre là dans ce jeu là on a la deuxième étage qui est ici qui ouais voilà. Du coup, ensuite, on a toujours le magasin, le genre de magasin que de base c'était un bar qui ensuite c'était un mini supermarché qui n'a pas du tout changé. On a ensuite le bâtiment ensuite Elsewhere qui est devenu un autre bâtiment de Gotham. Et je remercie aussi à les gens qui ont fait la map, je remercie aussi les potes qui ont aussi fait la map de Gotham City. Je reçois aussi Mato et je reçois aussi les autres aides des autres personnes. Du coup, on a ensuite le. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? On a aussi le parc de Gotham. Est-ce que Tacos, ça a changé ? Non, le lieu natal du Tacos, il n'a pas changé. Sinon, je l'aurais présenté la vidéo. Du coup, on a la. De base, là, il y avait la tour de l'horloge. Mais maintenant, il est devenu une petite tour comme ça, une tour avec des cartes. Et là, on a un petit usine qui est là, qui est un peu vite. Ensuite, ce bâtiment-là, il a pas du tout changé. Mais ça va. Ensuite, là, on a des petits trucs qu'on peut aller, qu'on peut juste monter vite fait, puis voilà. Et on peut en même temps rentrer à l'intérieur. Voilà. Et du coup. Nouveauté aussi de la saison, vu qu'il y a les raptors, on a des animaux qui sont apparus. Genre on a des poules, des grenouilles et des loups. Alors dans ce côté-là, c'est possible que si des fois vous venez ici, c'est possible qu'il y a des loups qui va venir directement ici là où vous êtes, parce que là il y a des loups dans ce côté. Et du coup, quand vous rentrez dans le lieu de Gotham
Et bah, genre, c'est écrit bienvenue à Gotham City. Et logiquement, le son, ça fait ça. Bienvenue à Gotham City. Ça fait pas ça. Ça fait ça. C'est ça le son quand vous venez à Gotham. C'est quoi? Attends, t'es où? Alors, ça, c'est le son. Et puis après, ça, c'est le son quand vous quittez la ville. Ok. Mais t'es où? Je suis à Gotham. Ouais. Oui, et du coup, ça, c'est les gros changements qu'il y avait dans la map. Bah, t'as qu'à revenir dans l'équipe 1. Bon, du coup, ça c'est les gros changements qu'il y a eu dans ma saison. Et oui, vite fait. Du coup, là, on va passer vite fait genre au petit mystère qu'il y a. Du coup, c'est parti. Le mystère qu'on a eu, c'est que dans l'ancienne saison, on avait un petit lieu là-bas. En gros, c'était une petite maison abandonnée presque. Non, enfin bref. Et du coup, on avait un tableau et des tables. Et bien sûr, ça n'est pas très bon pour le burger parce qu'il y avait un truc du burger. Et là, dans cette saison, on a enfin la confirmation. Et bien sûr, les Jokers. Les 4 Jokers sont de retour dans cette saison. À votre avis, pourquoi j'ai dit ce bus m'a l'air familier? Bah, c'était leur bus. Le plan. En gros, ils préparent quelque chose contre le burger. Le bus, moi je dis, ils préparent. Mais attends, mais tu parles de bus? Non, en fait, il y a un moment dans l'événement, il y avait le bus des 4 Jokers. Et bon, bref. Et du coup, est-ce que vous avez vos théories? Qu'est-ce qu'ils vont faire les 4 Jokers? Ils vont niquer la race burger, il va plus avoir de moche. Alors, je peux confirmer un truc, c'est presque sûr qu'ils vont se venger contre le burger parce que, cet endroit-là, c'est normalement la base des 4 Jokers. Normalement, c'était leur baraque, c'était leur maison. Et le burger voulait s'installer ici aussi pour se venger d'eux parce qu'il avait plus de restaurant. Et du coup, les 4 Jokers bougent qu'ils vont se venger. Mais du coup, on verra qu'est-ce qu'il y aura. Et du coup, petite information que vous devez savoir. Du coup, pour commencer, je dois vous dire quelque chose sur cette saison. Sachez que ce sera la dernière saison de ma Battle Royale. Je dis pas que ce sera pas fini. Après cette saison là, on aura le chapitre 2 de ma Battle Royale. Oui, parce que j'ai décidé que cette saison là. Ouais, c'est envie. Du coup. Oh mon dieu. En vrai. Du coup, sérieusement. Du coup, j'ai décidé que cette saison-là, ce sera la dernière des saisons du chapitre 1 pour passer au chapitre 2. Du coup, il y aura peut-être beaucoup de mises à jour. Enfin, je vais essayer d'en faire si j'en aurai éventuellement le temps. Sois actif. Ouais, je vais essayer d'être actif dans ma Battle Royale. Et je peux vous dire un truc, c'est que on aura. Alors, si vous vous demandez, genre que. Oui, c'est super qu'on a vu les armes dans les événements, mais où est l'arme de Batman, genre? Parce qu'à un moment, on a eu droit à les armes de Batman. Non, sérieusement. Du coup, les armes de Batman, ils seront peut-être là. J'ai dit peut-être bien. Peut-être dans la prochaine mise à jour qu'il y aura. En gros, il y aura peut-être des armes de Batman, mais si on aura des armes de Batman, on sera Batman dans la Battle Royale. Mais juste un seul joueur qui peut devenir un. Non mais mets des HP, allez, fais pas le radin. C'est un peu ça. Et c'est quoi ce? C'est quoi ce fil? Parce que je sais pas si vite des. Ça c'est Matsuki qui a mis ça, mais ça c'est lié à des Pokopani. Et bon bref. Et du coup, j'espère qu'au moins je vais essayer d'être actif dans ça. Et du coup, si vous avez pas encore vu le trailer, je vous conseille aussi de le regarder. Et en même temps, si vous savez pas encore sur le trailer, ce sera presque sûr, je crois, qu'il sera en rediffusion. Bon, bref, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez lâcher un petit like et vous abonner. Et du coup, vous avez un dernier truc à dire, les gars? Vous êtes sur ça. C'était Dario, peace.